travail de mon service. Mais bien avant, c'est ma voisine qui m'a conduit ici. Je suis venue voir papa. Malgré que je suis venue, je suis partie. Oui. Sincèrement, devant Dieu, je ne croyais pas. Je ne croyais toujours pas. J'ai rencontré beaucoup de choses que je quittais ici. Même le jeudi, parce que où je travaille, je me débrouille. On fait une semaine matin, une semaine la nuit. Le jeudi nuit, je suis partie. On avait un petit Libanais pour nous surveiller. Sincèrement, ce petit Libanais, vraiment, il y a des mamans qui l'insultent. Il y a des papas qui l'insultent. Ils m'ont dit tout le monde. Et le jeudi nuit, j'ai pris ma nourriture. De là à là, j'ai déposé. Il appelle mon chef, va à la maison, tu es renvoyé. Bon, je n'ai rien dit. Je suis venue à la maison. C'est là maintenant, je ne sais pas que je me disais, mais malgré que tu es renvoyé, mais pas en Dieu. Il faut quoi? J'ai dit une fois que me coucher, j'ai dit, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Et j'ai pris, je me suis couché. C'est là maintenant que je vais me rappeler que j'ai payé quelque chose qu'on appelle sang de Jésus. Et j'ai pris mon cœur et puis je me suis couché. J'ai mis sur mon cœur pour parler sur mon cœur. Parce que c'était en pleine rentrée. J'ai deux enfants, deux filles. Et c'est moi-même, je m'occupe de mes enfants. Quand le matin, je me suis levée à 5 heures. J'ai pris la route et puis je suis venue en pleurant. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé la grande soeur qui vend en bas. Je suis assise, je l'ai saluée. Je savais tout ce qui était à côté d'elle. Et puis elle dit, ah, je vais rencontrer papa. Elle me dit, non, aujourd'hui, vendredi, il ne reçoit pas. Là, la même, on dit qu'ils ont versé l'eau chaude sur moi. Parce qu'elle dit, on reçoit, il ne reçoit pas. Donc j'ai commencé à pleurer. Elle dit, la même où tu es assise là, si tu crois, les anges sont avec toi. Mais malgré tout ça, je n'entendais rien. Même si je vais voir papa seulement. Il suffit de le voir, peut-être que ça va me soulager. Donc elle dit, il faut partir. Maintenant, je lui ai demandé, moi je veux son numéro. Elle dit, moi-même, je ne vais pas te donner son numéro. Je me suis levée doucement, j'ai pris ma route. Sans dire au revoir, elle m'a en pleurant. Tu as vu que tu étais pas chien. Donc sur la route, j'ai appelé maman. Maman, maman. J'ai appelé ça de maman, parce que maman est ici. J'ai appelé la personne de maman. Elle dit, ah maman. On m'a renvoyé. Elle dit, ma fille, tu crois et tu juges. Elle dit, il faut laisser, tu vas trouver le travail. Donc, lundi matin, je suis venue. J'étais tellement chouette, parce que tout le monde qui arrive là, j'étais tellement chouette pour le rencontrer. Moi, souvent, je veux. C'est que ça a pris la main, je voulais toucher. Donc, je n'ai pas pu. Et puis, je suis partie. C'est lundi, dès que je suis quittée ici, ça m'a appelé, je me dis, ah. Il faut venir travailler. Je dis non, je ne travaille pas. Il dit à mon chef que moi, là, je ne viens pas mardi. Je m'en vais quelque part, je voyage. Mardi, avant de quitter la maison, on m'a appelé un peu. Non, je ne sais pas, mon bar pour moi. J'ai pris la route, je suis venu. Quand j'ai commencé à expliquer à papa, papa m'a dit, ma fille, va en paix. Donc, mercredi matin, je suis parti au travail. C'est que mes collègues m'ont dit que le patron ne veut plus jamais me voir même. Moi-même, je l'ai appelé son portail. Il dit, il ne veut plus jamais me voir. Mercredi matin, je suis partie. Notre chef de personnel, il m'appelle à midi. Il dit, ma Céline, qu'est-ce qui s'est passé même? Qui t'a renvoyé? Pourquoi tu n'es pas venu au travail? Sincèrement, on est beaucoup. Nous avons des problèmes. La première fois, ce n'est pas facile de croire. Mais c'est quand tu vois là que tu crois.